Eh bien salut tout le monde, c'est Zinpompier et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un bras pour Blue Yeti. Donc je vous mettrai la référence dans la description et on va tout de suite déballer. Donc on commence, on va prendre ces ciseaux. Donc hop, j'aurais dû prendre d'autres ciseaux ou un cutter plutôt, ça c'est galère, mais bon, on va essayer de gérer tout ça. On va faire l'autre côté. On va se déforcer un petit peu. Il coupe pas bien. Donc voilà. Après, bah le dessus. Hein. Voilà. Tout ça on enlève. Et on se retrouve avec ceci. Donc voilà, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir comme ceci hein. Voilà, hop. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc c'est pas le Rode, hein, parce qu'il était cher, mais celui-là il est compatible. Et apparemment il tient bien. Donc, on verra. Hein. Voilà. On va enlever l'élastique. Voilà, donc voici le bras. Voici le bras. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte? Bien sûr. Voilà. On a des trucs pour les accrocher. Hein. Hop, on a ça. Et on a ceci. Voilà. Voilà, je vais vous montrer de l'arrière de la boîte. Je mets à l'envers, ça va pas aller. Voilà. Pour ceux qui veulent voir. Hein. Donc j'ai pas préparé. Enfin j'ai pas préparé la vidéo parce que voilà. Pas besoin, c'est un unboxing, c'est comme ça, on découvre la boîte. Puis le bras quoi. Il est très joli. Voilà. Donc ça fera de la meilleure qualité sur ma chaîne maintenant. Parce que il y aura moins de bruit. Et puis voilà. Donc moi je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo, c'était Zinpompier. Allez, bye!